Merci à PEA. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité ici à parler, de venir parler de ce sujet qui me paraît effectivement un sujet important, je dirais, dans les années à venir et pour la cause animale. Alors, pourquoi s'interroger sur l'éthique de la prédation ? Je dois reconnaître humblement que moi, je n'y ai pas réfléchi tout de suite quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éthique animale. Pour ce, bon, comme ça vient d'être dit, j'ai déjà écrit deux livres donc, sur l'éthique animale. Et j'ai même utilisé le mot « prédateur » dans le titre du deuxième livre. Pardon, pas prédateur, carnivore, excusez-moi. Et le mot carnivore dans le titre du deuxième livre n'a pas de relation avec les prédateurs dont je vais parler ce soir. Je parlais là des humains qui se prennent pour des prédateurs, justement, et qui se définissent comme des carnivores. Donc, pendant longtemps, je ne me suis pas intéressé à cette question de l'éthique animale. J'ai commencé à m'y intéresser, je dirais, par rapport à cette période où j'ai travaillé sur l'éthique animale sur le tard. Je ne sais pas exactement ce qui m'y a amené, mais je pense que David Olivier a joué un rôle, donc je lui rends hommage. C'est lui qui m'a éveillé à cette problématique qui me paraît une problématique relativement fondamentale. Pourquoi fondamentale ? Je dirais, c'est que quand on s'intéresse à l'éthique animale, ou d'une manière générale à l'éthique, on se pose comme question, bien sûr, comment agir, comment faire en sorte qu'on ne cause pas trop de tort à autrui. C'est bien sûr une des premières choses. Et la question de la consommation de viande intervient à ce moment-là. Si je peux vivre sans faire souffrir des animaux, c'est une bonne chose. Mais en éthique, il y a aussi une problématique, c'est il n'y a pas uniquement de « est-ce que je peux agir sans faire souffrir ?» mais quand quelqu'un souffre, est-ce que je peux venir en aide à cette personne qui souffre ou à cet individu qui souffre? Si vous voyez un enfant en train de se noyer, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je dois venir en aide à cet enfant qui est en train de se noyer? Le fait qu'il se soit noyé tout seul ou qu'il ait été poussé à l'eau n'est pas vraiment fondamental pour savoir si vous devez venir en aide à cet enfant. Donc vous voyez, l'origine d'une souffrance, d'une douleur, de quelque chose comme on ressent comme une injustice, l'origine n'est pas fondamentale. C'est le fait qu'il y ait un individu en train de souffrir, en train d'avoir ses intérêts bafoués, qui pose un problème. Donc, autant la question de l'alimentation carnée est une question, bien sûr, fondamentale dans l'éthique animale, on pourrait dire aussi l'expérimentation animale, on pourrait dire l'utilisation, en gros, des animaux dans toutes les activités humaines. C'est une question fondamentale puisque ce sont les êtres humains qui font souffrir ou qui bafouent les intérêts des animaux. Mais le fait qu'il y ait sur Terre des animaux aussi en train de souffrir, et même si c'est indépendant de la cause animale, c'est quand même une question qui doit nous interroger sur un plan éthique. Et la question de notre intervention se pose. Alors, elle se pose pas uniquement pour la prédation, si des animaux souffrent de maladies, on pourrait se dire qu'il faut peut-être aussi intervenir ou pas intervenir. Si je me suis concentré sur la prédation, je pense que c'est parce que c'est le sujet le plus sensible. Et que si on règle, entre guillemets, le problème de la question est-ce qu'il faut intervenir pour sauver la gazelle ou non, je pense qu'on va pouvoir plus facilement après régler le problème est-ce qu'il faut intervenir quand la gazelle a soif ou elle n'a pas soif. Alors, c'est une question donc fondamentale et le sujet est aussi implicitement abordé par les associations animalistes. Beaucoup d'associations animalistes ne luttent pas uniquement pour l'abolition des abattoirs, ils vont prendre position sur des sujets autres, comme ça peut être par exemple la présence des loups en France, en Suisse ou en Italie, ça peut être sur les cétacés, est-ce qu'il faut relâcher des dauphins dans la mer ou des orques. Donc il y a les associations animalistes et les gens qui participent ou qui s'engagent dans la cause animale ont en général prennent position sur ce qu'il faut faire des prédateurs. Donc ce n'est pas une question qu'on pourrait dire, c'est une question qu'on traitera après celle des abattoirs, c'est une question où manifestement déjà les gens qui s'impliquent dans la cause animale prennent position.
Et puis, c'est un sujet aussi qui est une source de grande tension. Je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, que le simple fait de soulever la question suscite des débats très animés. Donc, s'il y a des débats très animés, je me suis dit qu'il y a besoin de clarification conceptuelle. Donc, voilà un petit peu les trois raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à cette question de la prédation. Alors, je vais essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'il faut, comment on peut régler ce problème. Alors, pour, disons, de façon très simple, on pourrait dire que l'antispécisme, alors c'est pas complètement vrai, on pourrait nuancer, mais on va simplifier, que l'antispécisme implique l'interdiction de la consommation de viande chez les humains. Donc la question de la prédation, elle est toute simple. Finalement, si on veut interdire la consommation de viande par les humains, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus interdire la consommation de viande chez les autres animaux? Alors je vais essayer de poser cette question de façon rationnelle, argumentée le plus possible. Mais juste avant, je voudrais vous donner une image de ce qu'on appelle, de ce qu'est la prédation. Alors bien sûr, la prédation, elle apparaît sous de multiples formes. Je ne peux pas bien sûr la présenter sous ces multiples formes, mais il est bien souvent, comme on dit, avant de parler de façon un peu théorique, il est bien d'avoir une idée concrète de ce que peut être, dans certains cas, la prédation. Donc, puisque vous êtes dans la salle, j'ai demandé à ce que les portes soient fermées. Personne n'a le droit de sortir et je vais vous infliger un petit film de 2 minutes sur la prédation. Et après ça, on discutera bien sûr de ce qu'on vient de voir. Voilà. Ça continue bien sûr pendant de longues minutes. Il faut bien comprendre que les prédateurs n'ont pas d'intérêt particulier à abréger la souffrance de leur proie. Ça peut être utile dans certains cas effectivement pour que la proie ne s'échappe pas, mais il n'y a pas de souci particulier en général de la souffrance de l'animal. Donc vous voyez, la question là, de la prédation, quand on vient de voir des images comme celle-là, elle est toute simple. Hein. Faut-il mettre un terme à cette cruauté ou pas? Alors, j'aurais tendance à penser que dans les mouvements animalistes, là, je n'ai pas fait de sondage, hein, donc c'est vraiment une impression, une intuition, j'ai quand même l'impression que dans les mouvements animalistes, que la position majoritaire, c'est celle de la non-intervention. La plupart des gens disent on ne va pas intervenir dans le monde sauvage, on fait déjà assez de mal aux animaux, n'intervenons pas, laissons-les vivre leur vie. Et donc la plupart des personnes vont dire, vont défendre la non-intervention et ils vont donc avancer un certain nombre d'arguments pour ne pas intervenir. Ce que je vais faire là avec vous, je vais passer en revue, je ne sais même plus si j'en ai mis 7 ou 8, je crois que c'est 7 grands arguments pour ne pas intervenir, et je vais voir ce qu'ils valent sur un plan rationnel. Alors, le premier argument, c'est un argument, ce que j'appelle l'argument de la nécessité.
La grande différence entre les humains, on va dire, et les carnivores dans le monde sauvage, c'est que les humains, ils ont le choix, ils n'ont pas besoin de manger de viande, il suffit d'aller bien sûr manger, d'acheter des légumes au marché, et l'affaire est réglée. Le lion, s'il ne chasse pas, le lion, il meurt. Donc l'argument, c'est que la nécessité, en gros, fait loi. C'est même un argument qui est souvent utilisé pour le problème de l'alimentation chez les humains. On dit que les Esquimaux, ils n'ont pas le choix, donc ils sont obligés de chasser pour manger. Donc ça ne pose pas de problème moral. C'est un peu cette idée qui revient aussi dans les débats au niveau du végétarisme. Mais c'est un des arguments très forts pour le problème de la prédation des animaux sauvages. Ce pauvre lion qui semble affamé va mourir s'il n'arrive pas à tuer une gazelle. Alors, pour répondre à cette objection de la nécessité, je vais recourir à une expérience de pensée assez simple. Imaginons qu'il y ait 5 humains malades, gravement malades, qui ont besoin d'une transplantation d'un organe. Il y a un des patients qui a besoin d'une transplantation du cœur, un autre qui a besoin d'une transplantation du foie, un autre c'est le pancréas, un autre c'est les deux reins, puis un autre on va dire les poumons. Donc vous avez 5 patients qui ont besoin très rapidement qu'on leur fasse une transplantation pour ne pas mourir. L'hôpital bien sûr est à court d'organes et que si donc d'ici on va dire 24 heures ils ne trouvent personne, ces patients vont mourir. Et là, il y a quelqu'un qui a une idée toute simple, il se dit, finalement, on a quelqu'un dans la salle, qui est tout à fait compatible, et il suffirait de tuer une personne qui est compatible, à qui on prendrait les 5 organes nécessaires, le cœur, les poumons, les reins, le foie, les pancréas, et donc en tuant finalement un innocent, on pourrait sauver 5 personnes. Et vous voyez bien que c'est une nécessité pour ces 5 patients qu'on tue finalement un innocent, puisqu'autrement ils vont mourir, il n'y a pas d'autre organe. Donc là, il y a une nécessité de tuer cet innocent pour survivre. Alors vous pouvez trouver que cet argument finalement n'est pas valable. Au sens, et voilà, c'est juste pour vous montrer que la nécessité ne rend pas toujours un acte moral. Alors, on pourrait en discuter, parce qu'il y a certaines personnes, si vous avez une tendance un peu utilitariste, vous allez vous dire, quand même, que globalement, les conséquences sont positives. On a tué un innocent, d'accord, ça pose problème, mais globalement, on a sauvé 5 personnes, donc finalement, dans l'équilibre, dans la balance des coûts et des bénéfices, il y a un avantage à tuer cette personne. Alors, sur un plan strictement utilitariste, il faudrait un petit peu, bien sûr, préciser les conditions et le contexte, mais sur un plan strictement utilitariste, on pourrait dire que cette action est tout à fait légitime. Mais cette action, elle n'est pas celle qui se produit dans le monde animal. Là, dans l'équilibre, dans le calcul utilitariste, on tue une personne pour en sauver 5. Un lion, au cours de sa vie, pour vivre, il va tuer une centaine, voire un millier de gazelles. Donc même sur un plan utilitariste, vous voyez, l'argument de « le lion tue une gazelle pour vivre », l'argument n'est pas valable, puisque de toute façon, il va falloir qu'il tue, bien sûr, plus de gazelles qu'il ne va sauver de vie, c'est-à-dire la sienne. Et c'est pour vous montrer que l'argument de la nécessité, on ne peut pas le sortir comme ça pour justifier tout acte. Un autre argument, c'est que le lion n'est pas un agent moral. Alors un agent moral, comme vous le savez, c'est une personne qui est en mesure de suivre des règles morales. Donc le lion, il ne sait pas ce que c'est que la morale, il n'a pas suivi qu'il ne fallait pas les dictons qui disent qu'il ne faut pas tuer, et donc on ne va pas commencer à reprocher au lion de tuer des animaux, autrement on va arriver à des situations un peu délirantes, finalement de faire des procès d'animaux, ce serait un petit peu, bien sûr, déplacer, on va dire, ou même dépasser, nous avons quitté l'époque des procès d'animaux, les animaux sauvages, et d'une manière, les animaux ne rentrent pas comme ça dans cette agentivité morale, donc s'ils ne rentrent pas dans cette agentivité morale, on ne peut pas leur reprocher de faire ce qu'ils font, et donc si on ne leur reproche pas de faire ce qu'ils font, on n'a pas à intervenir pour les empêcher de faire ce qu'ils font. Et une espèce de suite logique. Alors cet argument, il pose aussi un certain nombre de problèmes.
Le problème, c'est que, bien sûr, il n'y a pas que les lions qui ne sont pas des agents moraux. Vous suivez peut-être l'actualité aux États-Unis, mais comme c'est un pays où ils sont férus d'armes à feu, souvent les propriétaires d'armes à feu laissent traîner les armes à feu dans la maison. Et il arrive parfois que des enfants et des bébés saisissent une arme et tuent leurs propres parents. Vous avez là un individu qui n'est pas un agent moral et qui peut tuer quelqu'un d'autre. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas un agent moral fait qu'on n'a pas à intervenir pour l'empêcher finalement de tuer autrui? La question elle va dépasser même le cadre des individus et des personnes. Quand vous avez un phénomène naturel, vous avez un tremblement de terre, il y a des morts, ou n'importe quel accident naturel, il n'y a bien sûr pas d'agentivité derrière. Est-ce que vous avez dit, ah bah c'est un événement naturel, on n'y peut rien, donc il n'y a pas à intervenir pour faire en sorte qu'il y ait moins de victimes, puisque de toute façon il n'y a pas d'agent derrière. Non, vous avez de la même façon, s'il y a un tremblement de terre, si vous avez des risques de tremblement de terre, vous allez agir dans la mesure du possible pour qu'il y ait le moins de victimes possibles. Mais cet argument de l'agentivité, il pose encore un problème plus criant, c'est tout simplement si vous avez un lion qui attaque un humain, parce que là on est dans la même situation, vous dites le lion c'est pas un agent moral donc on n'intervient pas, mais si le lion, alors à ce moment-là, il ne faudrait pas intervenir si le lion attaquait un être humain. Si vous considérez qu'il faut intervenir quand le lion attaque un être humain, et qu'il ne faut pas intervenir quand le lion attaque une gazelle, ça serait un jugement spéciste. Et donc, comme on l'a vu pendant deux jours, le spécisme ne tient pas la route comme position éthique. Donc, l'argument aussi qui consiste à dire que le lion n'étant pas un agent moral, on n'a pas à intervenir quand il chasse une gazelle, ne tient pas la route lui non plus. Un autre argument, c'est que la prédation augmente la fitness des animaux. Alors, c'est l'histoire qu'on a tous entendue depuis qu'on est petit. La prédation, c'est très bien, c'est pour ça que les gazelles courent vite. C'est, ouais, si elles courent, celles qui ne courent pas vite se font attraper, donc il n'y a que les gazelles qui courent vite qui arrivent à se reproduire, et comme ça, mais les guépards, de génération en génération, les guépards courent plus vite, les gazelles courent plus vite, il y a une course aux armements, hein, au niveau de la fitness, et ça fait qu'au bout du compte, on a des animaux qui sont rapides, qui sont agiles, qui sont forcément, pour être capable de courir rapidement, il faut être en bonne santé. Donc vous avez des espèces, dans les espèces, vous avez des animaux qui sont en forme physique du fait de l'existence de la prédation. Les animaux faibles sont tout de suite éliminés par la nature, donc il y a un côté bénéfique de la prédation pour les espèces. Et que donc, si l'argument, ce que ça sous-entend, c'est que si on arrêtait la prédation demain, c'est-à-dire que si les gazelles ne se faisaient plus pourchasser par les léopards, tout simplement, elles commenceraient un peu à s'empâter et on aurait des gros animaux obèses dans la savane. Vous voyez ? Et donc, ça poserait un problème et tout le monde serait attristé de voir qu'il n'y a pas que les petits Américains qui sont obèses, il y a aussi les animaux sauvages. Alors, cet argument, là aussi, pose problème, cet argument de la fitness, de la santé, au sens général, de la santé générale des espèces grâce à la prédation, il pose un problème, c'est qu'il y a une exagération déjà du rôle de la prédation pour, on va dire, la santé globale des animaux. Il est évident que la prédation exerce une pression de sélection sur les animaux, mais la prédation n'est pas le seul élément dans le monde naturel qui exerce une pression de sélection. Ce petit éléphanteau doit suivre sa mère sur des longues distances pour pouvoir manger, boire ou être déjà en compagnie de sa mère. Si ce petit éléphanteau n'a pas les moyens de suivre sa mère, il est évident qu'il va avoir du mal à survivre. C'est cette pression de sélection qu'ils exercent chez les animaux, elle vient aussi tout simplement, même chez les herbivores, elle vient tout simplement de la recherche de nourriture et elle vient aussi de la sélection sexuelle.
Si les éléphants ont développé une certaine force physique, une certaine corpulence, s'ils ont certains éléphants ont des défenses, c'est aussi lié à la compétition entre les mâles pour acquérir des femelles. Donc là, on n'a pas de prédation qui intervient dans cette fitness, en gros, des animaux en général. On n'a pas forcément besoin de la prédation. Mais cet argument, il pose aussi, de toute façon, même s'il était vrai que c'est grâce à la prédation que les animaux sauvages sont en, entre guillemets, bonne santé, qui sont agiles, qui sont capables de courir vite, imaginons que ça soit vrai, on pourrait dire que c'est un peu aussi la même chose pour les êtres humains. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les loups ne nous courent plus après, et on pourrait constater, et on constate d'ailleurs, que chez certains humains, il y a un petit peu une corpulence qui se développe, et les êtres humains ne sont plus capables, s'ils l'ont été dans le passé, à courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Il y a aussi, vous voyez, chez l'être humain, il y a plus cette pression de sélection qui est exercée par la prédation, et on ne voit pas ça forcément comme un problème. Personne ne va dire que finalement il serait bon pour l'espèce humaine que demain on réintroduise les lions dans les villes, parce que comme ça, ça éliminera tous les gens qui ne savent pas courir rapidement ou qui ne savent pas se battre contre les lions. Donc vous voyez, si on exige et si on considère que c'est à faire pour les gazelles, pourquoi ne pas le faire pour les êtres humains? Mais c'est encore spéciste, un double niveau, cet argument. C'est que finalement, il réfléchit toujours en termes d'espèce. Et réfléchir en éthique en termes d'espèce, ça n'a pas tellement de sens. David l'a bien sûr expliqué longuement ce matin. Mais pour la gazelle qui est en train de se faire dévorer, peu lui importe que dans 1 million d'années, les gazelles continueront à courir vite parce qu'il y aura toujours des prédateurs. Vous voyez que si vous vous intéressez à l'éthique, oui, donc à l'éthique de la prédation, c'est vous vous intéressez à la gazelle qui est en train de se faire dévorer ou qui est en train de se faire courir après par un lion. D'accord ? Donc ce raisonnement de la fitness, quand bien même il aurait un certain sens, mais ça c'est à discuter, sur un plan global et évolutif, il n'a pas de pertinence sur un plan éthique. Alors, un autre argument, c'est l'argument de la biodiversité. Tout le monde va mettre en avant que, pas tout le monde, mais il y a une tendance dans les milieux environnementalistes à dire que la prédation joue un rôle très important dans les écosystèmes et que sans prédation, les écosystèmes périclitent. Et quand les environnementalistes mettent en avant cet argument, ils citent souvent, c'est un petit peu l'exemple typique, ils citent souvent le parc de Yellowstone aux États-Unis. Alors, ce sont deux images censées représenter le même endroit à deux époques différentes. Le parc de Yellowstone, à Yellowstone aux États-Unis, c'est un grand parc sauvage naturel dans lequel les loups ont été systématiquement éliminés. Et les derniers loups ont été abattus dans les années 1920. Et ils ont été, sous la pression des environnementalistes, ils ont été réintroduits si je ne me trompe pas de l'année exacte, c'est en 1996. Donc on a à peu près plus de 20 ans de présence des loups dans le parc de Yellowstone. Et les environnementalistes, qui faisaient ça pour les loups, en disant qu'ils pensaient aux loups, ont constaté qu'il y avait une transformation du parc. Donc l'image de gauche, ça correspond à la période avant la réintroduction des loups. L'image de droite correspond à la période plusieurs années après la réintroduction des loups. Comme vous pouvez constater, il y a un plus grand foisonnement de végétation, de la flore dans l'image de droite et même de la faune. Il y a plus d'animaux, il y a plus d'oiseaux à droite, il y a des castors, il y a plusieurs animaux, il y a des grenouilles, etc. Il y a plus d'animaux. Il y a certains animaux qui ont disparu, ce sont les élans, les grands herbivores qui ont disparu à droite, qui ne sont plus ils ont été remplacés par les loups. Et la transformation, donc ça c'est assez facile à comprendre, si on introduit des loups, ils vont chasser bien sûr des grands herbivores, donc ils vont prendre la place des grands herbivores, ça
on s'attendait assez facilement, mais ce que n'avaient pas prévu tous les environnementalistes, c'est que ça allait entraîner une transformation globale. Et la transformation globale, que ça allait notamment agir sur la flore du parc de Yellowstone. Alors, il y a une explication assez facile à cette transformation, c'est qu'en éliminant les élans, les élans ils vont moins brouter. S'ils broutent moins, ils vont manger moins d'arbustes, ils vont manger moins de plantes. S'ils vont moins manger les feuilles des arbres. Donc, s'ils broutent moins dans les arbustes ou dans les arbres, il y a des oiseaux qui vont pouvoir revenir ou s'installer, qui vont pouvoir nicher. Il y a la végétation qui va se développer. Si la végétation va se développer, les castors vont pouvoir plus facilement construire des barrages. Si les castors construisent des barrages, ça crée des zones humides. Et en créant des zones humides, ça favorise tout un développement de la faune et de la flore. Donc les environnementalistes vont dire, vous voyez, c'est magnifique, les loups, c'est magnifique, il faut mettre des loups partout, presque sauf dans les villes, parce que ça va développer la faune et la flore. Voilà l'argument en général qui est défendu par beaucoup de personnes qui veulent réintroduire des loups et qui vont donc magnifier le bon côté de la prédation. Alors cet argument, il pose problème, je dirais, parce que la biodiversité, ça n'a pas vraiment de valeur en soi. C'est pas la biodiversité, quel est l'intérêt d'avoir beaucoup de biodiversité. La biodiversité, je dirais, il faut un minimum de biodiversité si on veut de la vie, je suis d'accord. Est-ce qu'il faut de la vie, j'en sais rien. Est-ce qu'il est bien qu'il y ait du vivant, j'en sais absolument rien. La question sur un plan éthique se pose, on pourrait dire finalement... La présence du vivant n'est pas une bonne chose. Finalement, il aurait été mieux qu'on ne naisse pas. On pourrait toujours développer. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont développer ces têtes-là. Mais je vais laisser de côté ça. Je ne vais pas du tout m'intéresser à ça. Non, je vais partir du principe qu'il est bien qu'il y ait de la vie. Cette position, c'est ma position de base. Il est bien qu'il y ait de la vie. Maintenant, la question, c'est qu'il faut trouver, donc, non pas qu'il faut augmenter forcément la biodiversité au maximum, il faut trouver, je dirais, un optimum de biodiversité pour que la qualité des êtres sensibles qui vivent soit bonne. Et ce n'est pas évident que l'augmentation de la biodiversité soit une bonne chose. Alors, je vais prendre un petit exemple, une petite situation très concrète. Vous avez sur une plage quelque part dans le monde, deux êtres sensibles qui sont là en train de se prélasser sur une plage. Vous avez dans cette situation un certain niveau de biodiversité. Alors, on ne voit pas bien sûr toute la biodiversité, elle n'est pas uniquement représentée par les deux gros êtres sensibles qui sont en train de se prélasser, il y a plein de petites créatures qu'on ne voit pas, mais qui participent de la biodiversité. On pourrait décider d'augmenter la biodiversité et se retrouver dans une situation un peu différente, où il y a là un mélange d'espèces un peu plus grandes, il y a un petit dauphin, il y a d'autres êtres humains. Alors, on peut toujours me reprocher, bien sûr, que l'image ne représente pas, évidemment, la meilleure situation pour une grande biodiversité. Mais ce que j'ai voulu montrer sur ces deux images un petit peu caricaturales, c'est que, finalement, l'augmentation de la biodiversité n'entraîne pas systématiquement une amélioration des situations d'un point de vue éthique. On pourrait, dans certaines situations, vouloir préférer que la biodiversité n'augmente pas, puisque finalement la qualité des êtres de vie, des êtres sensibles, serait finalement meilleure, quelle que soit la façon dont on calcule cette qualité de la qualité de vie de l'ensemble des êtres sensibles. Mais c'est aussi cet argument de la biodiversité. Pose aussi des problèmes, c'est que je dirais, est-ce qu'il faut préserver, alors là j'ai parlé d'une augmentation de la biodiversité, je dis que ce n'est pas forcément une bonne chose à faire, est-ce qu'il faut l'augmenter? Non, excusez-moi, je viens d'apercevoir que j'ai oublié de dire quelque chose. Même dans le... Si je reviens à... Excusez-moi, je vais revenir quand on revient à Yellowstone, finalement, les environnementalistes vont dire finalement la biodiversité a augmenté, c'est une bonne chose. Mais finalement, ce n'est pas très clair pour qui c'est une bonne chose. Pour qui c'est une bonne chose? Alors, la réintroduction de prédateurs va bien sûr ne pas être une bonne chose pour les proies.
Les élans, on a constaté que les élans ont diminué de 50% à Yellowstone, et donc les grands herbivores. Ceux qui n'ont eu la chance de ne pas se faire dévorer vivent maintenant la peur au ventre. On constate qu'ils ne circulent plus dans beaucoup d'endroits du parc. S'ils ne circulent plus dans beaucoup d'endroits du parc, c'est tout simplement parce qu'ils sentent qu'il y a des endroits où c'est trop risqué de s'aventurer, donc ils préfèrent maintenant rester dans des zones extrêmement limitées. Donc il est évident que pour les grands herbivores, c'est une mauvaise chose la réintroduction des loups. Les loups aussi, quand on entend, attrapent un certain nombre de petites proies, et donc pour l'ensemble des proies des loups, c'est manifestement pas une bonne chose. Mais même pour les loups, parce que ceux qui pensent à la réintroduction des loups disent « pensez aux loups ». Mais c'est pas très clair, c'est même un peu absurde, parce que pour les loups qui ont été éliminés, en gros au 19e siècle et jusqu'aux années 1920, donc les loups qui sont morts, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on réintroduise des loups. Ils sont morts. Un être mort n'a pas d'intérêt. Donc pour les loups qui ont été décimés, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on réintroduise des loups. Et pour les loups qu'on a réintroduits, ce n'est pas non plus clair du tout, c'est qu'il y ait un intérêt à ce qu'ils soient réintroduits dans le parc de Yellowstone. Pour réintroduire des loups, il faut les capturer quelque part. Il faut capturer des loups. En général, quand on capture des loups, ce n'est jamais une opération en douceur. Il y a des meutes, on va casser des meutes, on va séparer on va détruire des relations familiales ou amicales, on va transporter des loups, on va les réintroduire dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Donc même pour les loups, il n'est pas très clair que le fait d'avoir été réintroduit dans un parc qu'ils ne connaissaient pas soit une bonne chose. Donc vous voyez, les environnementalistes qui disent « oui, bon, c'est bien », alors ils ne pensent pas aux proies, bien sûr, qui vont se faire dévorer, mais il y a une tendance à valoriser la réintroduction des loups pour les loups. Mais ce n'est pas une bonne chose, vous voyez, même pour les loups, d'être réintroduits quelque part. Et ce problème de vouloir penser la réintroduction, l'augmentation de la biodiversité. Et l'erreur des environnementalistes, ça, c'est de penser toujours, là c'est un problème éthique, de penser en termes d'espèces et non pas de loups. Ils vont dire finalement le fait qu'il y ait maintenant des loups est une bonne chose, ça montre que y a des loups, donc l'espèce vit. Mais les loups qui sont morts, ils sont morts. Ils ne pensent pas en termes d'espèces, ils sont morts. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun intérêt pour les loups à avoir d'autres qu'eux-mêmes réintroduits dans des parcs. Maintenant, oui, j'en viens, donc j'avais donc sauté une étape, j'en viens à l'idée même souvent, est-ce que la biodiversité est une bonne chose? Les gens disent, on parle toujours, si ce n'est pas l'augmentation de la biodiversité, on parle toujours de, au moins, il faut maintenir la biodiversité. Il ne faut pas toucher aux prédateurs, parce que si vous touchez aux prédateurs, vous allez diminuer la biodiversité. Donc, vous voyez, je fais l'opération inverse. Et donc les gens supposent qu'il y a une bonne chose, que le niveau de biodiversité est bon actuellement dans le monde naturel. Mais ça pose un problème, c'est qu'il y a un sous-entendu dans cette idée-là, c'est que finalement, le monde naturel, la situation, on va dire, si on pourrait dire, la situation éthique, la situation où en termes de bien-être des animaux sauvages, quand on les laisse tranquilles, est bonne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas intervenir pour ne pas diminuer cette biodiversité, parce que le sous-entendu, c'est qu'en diminuant la biodiversité, on va dégrader la situation des animaux qui vivent dans leur milieu naturel. Alors pour remettre en cause cette idée qu'il y aurait un intérêt à maintenir forcément la biodiversité, je vais faire un petit contour par un concept biologique, qui est le concept en ce moment de stratégie de reproduction. Les biologistes parlent souvent de deux stratégies, stratégie entre guillemets, hein, bien sûr, ce n'est pas des stratégies conscientes, deux stratégies de reproduction des animaux, la stratégie K, la stratégie R. La stratégie K, elle est relativement facile à comprendre, parce qu'on aime les deux. La stratégie K consiste à avoir peu de progéniture, et d'en avoir donc de façon peu au moment où on en a et à des moments espacés, mais de s'en occuper pendant longtemps pour bien sûr qu'elle survive et qu'elle continue la perpétuation du patrimoine génétique. La stratégie R est une stratégie donc un peu, on va dire, inverse, opposée. Elle consiste à avoir un grand nombre de petits, une progéniture très prolifique,
d'en avoir même très souvent, d'accord, et donc finalement dans un parcours d'une vie d'avoir énormément de petits, mais la contrepartie c'est que bien sûr on ne peut pas s'occuper de ces petits, et donc, mais sur un plan stratégique, c'est en gros, je dis bien avec des images, c'est l'idée qu'avec l'espoir que certains vont survivre pour propager le patrimoine génétique. Alors bien sûr, ce sont deux extrêmes, et il y a bien sûr tous les intermédiaires. Les grands singes sont bien sûr plus dans le type de la stratégie, plus dans le type de la stratégie K, au sens qu'ils ont peu de bébés, et ils s'en occupent pendant une longue période. Et les gémilles, à l'exemple des rats, on peut aller vers d'autres espèces. Des poissons peuvent avoir des millions d'œufs, et bien sûr, ils ne vont pas s'en occuper du tout, mais c'est bien sûr avec... Alors, la plupart vont se faire manger, mais c'est toujours avec l'idée qu'il y en a certains qui vont survivre. Alors, vous voyez, ces deux stratégies de reproduction, si vous voulez que finalement le niveau de biodiversité soit maintenu quelque part, et que vous voulez donc ne pas intervenir, et que vous voulez en même temps qu'il y ait un maintien de la biodiversité, il faut une chose toute simple, il faut qu'en gros les populations n'augmentent pas ou ne diminuent pas de façon importante. Il faut qu'en gros les populations restent stables. Pour qu'une population reste stable, il faut une chose très simple, il faut qu'en moyenne, une femelle ait deux petits qui atteignent l'âge de reproduction, ou même qui en viennent eux-mêmes à se reproduire. Si vous avez plus de petits qui arrivent eux-mêmes à se reproduire, vous avez très rapidement une explosion de la population. Inversement, si vous en avez moins, vous avez très rapidement un écroulement de la population. Il faut, pour qu'il y ait une stabilité au niveau de la population, il faut vraiment donc une femelle et deux petits, ou chaque individu et un petit qui le remplace. Ce qui veut dire, dans le cas, par exemple, des espèces de la stratégie R, ça veut dire que la quasi-totalité des enfants vont mourir avant d'avoir pu se reproduire eux-mêmes. Mourir avant d'avoir pu se reproduire eux-mêmes, dans le monde naturel, ça veut dire mourir de faim, ça veut dire mourir de soif, ça veut dire mourir de maladie, ou ça veut dire mourir dévoré par un autre animal. Et bien sûr, c'est se faire manger, mourir de soif ou mourir de faim, c'est rarement des parties de plaisir. Donc vous avez dans le monde naturel, on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas, et surtout pour les espèces de ce qui adopte la stratégie K, c'est une hécatombe permanente des animaux. L'image, pareil, n'est pas parfaite, au sens que bien sûr, ce n'est pas une hécatombe qui est due à une mort dans le monde naturel sauvage, mais c'est juste pour vous montrer que dans le monde, si vous aviez, comme j'avais montré une image de rat, que la quasi-totalité des rats qui sont nés d'une rate vont mourir avant d'avoir pu atteindre eux-mêmes l'âge de reproduction, soit atteindre l'âge de reproduction, ou en tout cas, même s'ils l'ont atteint, ne pas avoir la capacité de se reproduire. Et comme souvent, la plupart des morts dans ces conditions-là sont des morts liées à des grandes souffrances. Ou, je dirais même, c'est beaucoup plus grave que ça. Si vous avez la quasi-totalité des animaux qui meurent avant d'avoir pu se reproduire, c'est pas, ils ont une vie bonne, et puis 5 minutes avant de mourir, bon, il se passe quelque chose, ils souffrent un peu, d'un seul coup ils ont faim, et puis 5 minutes après ils meurent. C'est que sur la continuité de leur vie, ils sont dans un état, en général, de grande souffrance. Pour avoir un taux de mortalité aussi grand, vous avez forcément, dans le monde naturel, un niveau de souffrance inimaginable pour nous, humains. Mais même dans le cas des stratégies K, ce n'est pas non plus des vies agréables, parce qu'une baleine, elle va avoir 6, je ne sais pas, 7, ça dépend bien sûr de la durée de vie de la baleine, elle va avoir plusieurs baleineaux au cours de sa vie. Et si vous avez une population de baleines stable, ça veut dire là aussi que la grande majorité des baleineaux vont mourir avant d'avoir pu eux-mêmes se reproduire. Et bien sûr, pour que les baleineaux meurent avant d'avoir pu se reproduire, c'est qu'ils sont morts de soif, de faim ou dévorés par des orques. Et oui, mais
Et je dirais quand même poussé, donc là je représente encore une image où, pareil, on ne trouve jamais les images qu'on veut, mais c'est juste pour vous montrer que même dans le monde des animaux qui ont des stratégies K, il y a un degré de mortalité qui est très élevé, mais même chez les prédateurs, on imagine, les prédateurs, eux, c'est différent, mais non, vous prenez une lionne, alors toujours, on sait en moyenne combien une lionne va avoir de lionceaux, elle va en avoir, ça varie, on va dire 14-15. Si vous voulez, dans la savane, garder une population de lions stable, ça veut dire qu'en moyenne, une lionne doit avoir 2 lionceaux qui arrivent à se reproduire. Ça veut dire qu'il va y en avoir en gros 13 sur 15 qui vont mourir avant de se reproduire. Pour que des lions meurent avant de se reproduire, comment vous voulez qu'ils meurent? Ils ne vont pas avoir une vie paisible et mourir paisiblement. Donc la vie des lionceaux, quand vous en avez 13 sur 15 qui meurent, c'est qu'ils meurent de soif, de faim ou dévorés par des hyènes ou autre chose. Donc c'est juste pour vous montrer que finalement, dans des nombreux degrés de biodiversité, ça correspond à des situations catastrophiques pour les animaux. Les animaux vivent dans un état de souffrance, je dirais, extrêmement élevé comparé à la situation des êtres humains. Donc l'idée est qu'il ne faut pas toucher à la prédation parce que finalement, on va remettre en cause des niveaux de biodiversité, est toujours accompagné du sous-entendu que actuellement la situation est bonne et que si on intervient, on ne va ne faire qu'empirer les choses. Or non, la situation actuelle dans le monde sauvage, que ce soit pour les proies ou pour les carnivores, la situation est extrêmement difficile. Un autre argument, là je pense, qui est très émotif, quand on parle du problème de la prédation, oui, ce qui est derrière, c'est la fin des prédateurs. La question, c'est est-ce qu'il faut mettre un terme à l'existence des prédateurs? Et il y a tout de suite ces images qui ressortent, ces images qu'on est dans la cause animale qui font bien sûr terriblement mal. Et les gens vont dire non, c'est complètement, on ne peut pas développer ce genre d'idée, on ne va pas laisser les chasseurs aller abattre les grands fauves sont des êtres magnifiques, on va les laisser. Alors, ma première réponse à cet argument très émotionnel, c'est de dire que s'il y a intervention, il faut bien sûr qu'elle soit réfléchie. Pas question de donner la parole à des gens donner des armes à des gens qui ne réfléchissent pas pour aller abattre les grands prédateurs. Il est évident que c'est pas ça qui est l'objectif. On pourrait avoir d'autres objectifs et pour faire une minute de détente, je vais vous proposer un autre objectif. C'est un objectif, alors ce n'est pas forcément le seul qu'on peut avoir, mais il y aurait peut-être des possibilités d'entrevoir les choses différemment. Pas un prédateur, je suis désolé, j'ai pas coupé. Alors, si c'était l'objectif qu'on se fixerait, vous rendez bien compte que pour le généraliser, il y aura beaucoup de travail. Des solutions possibles pour aller vers une cohabitation où la prédation ne sévit pas outre mesure, il faudrait bien sûr penser à fabriquer et produire de la nourriture végane pour les prédateurs.
Donc ça pose un problème matériel à ce jour. Il faudrait bien sûr avoir un contrôle de leur circulation. Il est évident qu'on ne peut pas laisser tous les prédateurs circuler à leur guise. Contrôle des naissances, mais là ça va autant du côté des prédateurs que bien sûr des proies de ces prédateurs. Et aussi un sujet assez controversé, mais sur lequel je pense qu'il faut essayer de l'aborder sereinement, c'est les problèmes bien sûr de reprogrammation génétique des carnivores. Donc il y a des possibilités éventuelles d'imaginer une cohabitation avec les carnivores, et bien sûr toute autre solution est bienvenue. Mais je dirais, même si finalement il fallait en venir à la disparition des carnivores, et que les gens qui disent non, c'est pas possible, on va pas supprimer les carnivores, c'est monstrueux de vouloir supprimer les carnivores. Parce que pourquoi c'est monstrueux? Ben, c'est en général, souvent, les gens disent ben, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils adorent voir des carnivores, ils adorent voir des documentaires animaliers, ils adorent savoir qu'il existe des carnivores dans la nature. Et ça me fait souvent penser à un argument des carnistes quand vous leur dites que finalement vous voulez supprimer et abolir les abattoirs. Les carnistes vont dire, mais c'est horrible parce qu'il n'y aura plus de vaches dans les champs. Et vous avez quelqu'un comme François-Olivier Gisbert, qui est le végétarien national en France, qui dit, moi je suis végétarien, bon je mange du poulet quand même, mais je suis végétarien, mais je ne veux pas que les Français deviennent végétariens, parce que s'ils deviennent végétariens, il n'y aura plus de vaches dans les champs, j'aurai plus le plaisir de voir des vaches dans les champs. Et donc, il y a une espèce de peur dans le monde des carnistes de, finalement, que l'abolition des abattoirs entraîne la disparition des vaches dans les champs. Et donc, ils préfèrent que les vaches se fassent charcuter dans les abattoirs juste pour avoir le plaisir de les observer quand ils sont dans leur TGV et qu'ils vont de Paris à je ne sais pas trop où. Et il y a quelque chose toujours qui est un petit peu, je dirais, d'une indécence phénoménale dans cet argument, de finalement de privilégier son plaisir esthétique, son sentiment esthétique, de privilégier par rapport au bien-être ou au droit, ça dépend qu'est-ce qu'on aborde comme position éthique, mais des animaux qui se font charcuter dans les abattoirs. Donc un sentiment esthétique ne peut pas prévaloir là sur une considération éthique. Et vous voyez, j'ai toujours un peu l'impression que ceux qui ne peuvent pas envisager un monde sans prédateurs, finalement, ils préfèrent que les animaux se fassent dévorer à longueur de journée, ils acceptent que les animaux se fassent dévorer à longueur de journée, pour avoir le plaisir soit de les observer ou de savoir qu'ils existent et qu'ils continuent leur existence dans la nature. Donc si on peut bien sûr éviter qu'il y ait une disparition des prédateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, ça serait une très bonne chose, mais tout ça, il faut travailler sérieusement à des solutions techniques. Mais si on ne le peut pas, je veux dire, quelque part, ce n'est pas fondamentalement un problème rédhibitoire. Une autre objection, donc je suis à la sixième, j'en aurais sept en tout, c'est ça, ça m'est revenu, sept. C'est les gens vont dire bah, fou, c'est complètement délirant comme idée, de toute façon la prédation elle est complètement répandue dans le monde, il est impossible de mettre un terme à la prédation, cette idée là est du délire, donc le Pelletier raconte que des bêtises. Alors c'est vrai, on ne peut pas mettre un terme à toute la prédation. J'ai parlé des lions, le lion chasse la gazelle, on peut régler ce problème sur un plan technique, c'est assez facile. Le nombre de lions est limité dans le monde, il n'y a plus beaucoup de lions, ils se comptent en quelques dizaines de milliers. Il y a un contrôle des lions qui est tout à fait envisageable, mais bien sûr, ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La prédation est à un niveau bien plus répandu, et il y en a, alors bien sûr, ce que j'appelle les petits prédateurs, c'est les petits animaux, éventuellement qu'il va falloir prendre en compte le monde des insectes, je dis bien éventuellement, bon, parce que ça c'est toujours une question technique, mais il y a aussi le milieu marin,
où il y a un degré de prédation phénoménal. Un troupeau, ou je crois un groupe de dauphins peut décimer en quelques minutes un banc de maquereaux, un banc de sardines. Et c'est dans le monde marin, il y a je dirais, un degré de prédation beaucoup plus grand, même que je pense qu'on peut le trouver dans le monde, sur le monde terrestre. Donc il y a effectivement, c'est un argument, je veux dire, quelque part, vouloir réduire la prédation, vouloir supprimer la prédation, se confronte à ce gigantisme de la tâche. Et on pourrait dire, bah, comme ce n'est pas réalisable, ça ne vaut pas la peine d'y réfléchir. Moi, je dirais non, c'est un argument qui n'a pas de sens. On sait bien, je pense qu'on peut y répondre facilement, le mieux est l'ennemi du bien. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas résoudre toute la misère du monde qu'il ne faut pas aider son voisin ou sa vieille tante qui souffre ou quoi que ce soit. Je veux dire, quelque part, la question du gigantisme n'a pas de pertinence sur un plan éthique. La question, elle est très simple, elle est question pratique. Agissons où nous pouvons agir en mesure de nos moyens pour améliorer la situation, point à la ligne. Et je pense que toute position éthique se base sur cette idée-là de faire ce qu'on peut. La dernière objection, c'est les gens qui disent « tu vas toucher à la prédation ». Alors ils ont dit « bon, tu vas réduire la biodiversité, donc c'est mauvais. Tu vas remettre en cause la fitness des animaux, donc c'est mauvais. Bon. » Mais en général, quand on a éliminé ces arguments, ils vont dire oh « oui, mais attention, toucher aux écosystèmes, c'est perturber des équilibres. C'est donc, si on perturbe des équilibres, il y aura des conséquences inattendues et on court à la catastrophe. » Cette idée de l'équilibre du milieu naturel, et il y a des risques d'interventionnisme, mais on a tous en tête, dans le monde géopolitique, des situations où un interventionnisme a entraîné des conséquences, je dirais, pour le moins discutables. Je prends un exemple bateau, juste pour vous montrer. Avant 2003, il y avait un pays où il y avait un méchant dictateur qui exerçait une prédation sur ses citoyens. Saddam Hussein, donc en Irak, un certain nombre de personnes se sont dit on va intervenir pour améliorer la situation, donc pour des arguments éthiques. Et donc ils ont monté une intervention, vous connaissez cette histoire. Et finalement, l'idée était bien sûr de faire le bien. La conséquence de cette intervention, comme beaucoup de gens, moi, se reconnaissent, considèrent qu'elle a finalement entraîné une situation pire. Donc, en voulant faire le bien, on fait le mal. Vous voyez, c'est cette idée-là. Donc, toucher aux écosystèmes, c'est finalement perturber des équilibres et c'est donc courir à la catastrophe. On ne sait pas encore laquelle, mais il y a toujours cette idée qu'il faut respecter la nature, on parle d'écosystème, on met le mot système, mais toujours avec cette idée qu'il y a une espèce de fragilité de la nature, que tout est interrelié et que toucher à un élément de cet équilibre va entraîner une catastrophe et souvent même une catastrophe imprévue. Et c'est la peur de l'imprévu qui va inciter un certain nombre de personnes à dire non, il ne faut pas intervenir. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette objection, ce qu'on appelle l'objection des risques. Il y a des risques à une intervention. Oui, c'est vrai, on est tous d'accord qu'il y a des risques à une intervention. Il y a des risques à une intervention militaire, il n'y a pas de doute. Mais cet argument, il est mal fondé pour une raison assez simple. C'est que déjà, on intervient énormément dans la nature. Cette idée qu'on passerait d'un non-interventionnisme à un interventionnisme, elle est délirante. La situation de la Terre actuellement reflète un interventionnisme extraordinaire. Je ne dis pas un interventionnisme pour supprimer la prédation, mais on intervient déjà à tous les niveaux. Je ne dis pas que l'être humain, quand il intervient, n'a pas fait de dégâts. Il a fait énormément, on peut dire, il peut avoir fait des dégâts quelque part. Mais on est dans des situations où là où on a fait des dégâts, on voit qu'on a fait des dégâts, on voit qu'on est intervenu dans plein d'endroits, les êtres humains sont intervenus dans plein d'endroits, ils peuvent voir qu'ils n'ont pas forcément fait des dégâts. Quelque part, l'interventionnisme actuel, qui n'est pas un interventionnisme bien sûr pour diminuer les effets de la prédation, l'interventionnisme actuel, les conséquences de cet intervention, ils peuvent se mesurer. Nous ne sommes pas dans une situation où on a un système, si on touche un rouage de ce système va s'écrouler.
nous sommes déjà dans une situation où on intervient énormément, où on peut calculer dans une certaine mesure un certain nombre d'effets de cette intervention, et que donc il y a une possibilité de réfléchir aux conséquences des interventions futures. Un autre argument, c'est que la situation actuelle, on l'oublie toujours, elle est catastrophique. Elle est catastrophique pour la plupart des espèces vivantes, la plupart des animaux, je dirais pas des espèces, parce que finalement les espèces on s'en fiche, la plupart des individus dans le monde sauvage, qu'on appelle le monde sauvage, vivent une vie extrêmement difficile où la situation est pire et catastrophique. Donc, quelque part, plus la situation est catastrophique, moins il y a des risques, vous voyez, à intervenir. On ne peut pas faire beaucoup plus mal. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas détériorer un petit peu la situation, mais vous avez un tel niveau de souffrance dans le monde sauvage que les risques envahissent bien la chandelle, d'une certaine manière. Une troisième raison, que même s'il y avait des risques, même si on était conscient qu'effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi, et même s'il ne faut pas faire n'importe quoi, l'obligation morale, elle reste. De toute façon, vous pouvez dire, n'interviens pas demain, la question de l'interventionnisme reste. Un enfant se noie, la question, vous pouvez ne pas aller le sauver pour une raison simple, parce que vous vous dites, je ne sais pas bien nager, si je vais le sauver, je vais me noyer, donc finalement, il y aura deux morts, donc finalement, il vaut mieux ne pas aller sauver l'enfant, parce que finalement, il n'y aura que la mort. Donc vous pouvez faire un calcul, il est plus intéressant sur un plan éthique de ne pas le sauver, parce que je n'en ai pas les moyens. Donc on peut ne pas intervenir pour des raisons réfléchies sur les risques à encourir si on intervient pour mettre un terme ou diminuer en tout cas, parce que mettre un terme c'est un peu difficile, mais diminuer les effets de la prédation. Mais si vous vous dites ça, de toute façon, vous êtes toujours, je dirais, dans l'obligation d'intervenir pour diminuer la souffrance liée à la prédation, et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, la souffrance est liée aux autres maux dont ont à souffrir les animaux dans le monde sauvage. Donc la seule chose, finalement, du risque, la seule chose, qu'est-ce que ça nous dit, finalement, sur notre position, c'est qu'il faut tout simplement réfléchir à quel type d'intervention il faut faire. Et je dirais même que il y aurait quelque chose de spéciste à ne pas vouloir intervenir. Parce que, comme je l'ai un peu montré dans certaines images tout à l'heure, précédemment, finalement, si on était dans une situation où, là, actuellement, des humains se faisaient régulièrement dévorer par des tigres, je suis à peu près convaincu que la plupart des associations animalistes diraient « on ne va pas laisser les humains se faire dévorer par des tigres ». Pourquoi laisser les gazelles se faire dévorer par des lions? À partir du moment où vous essayez d'abord d'adopter une position non spéciste, quelque part, le fait que des gazelles se fassent dévorer par des lions doit non pas vous demander d'intervenir demain, parce que je prends en compte la question des risques, mais au moins doit vous inciter à réfléchir à des moyens de sauver les gazelles le plus tôt possible. Donc j'en arrive à ma conclusion, finalement, est-ce qu'on peut passer d'une situation où il y a un degré de souffrance, épouvantable comparé à la situation humaine, à un monde, pour reprendre l'image de mon introduction, à un monde pacifié? La première chose à faire, c'est de sortir de l'idéalisation de la nature. La nature est un milieu épouvantable pour les êtres sensibles qui y vivent. C'est la première chose à faire. Si on ne prend pas conscience de cette dureté à laquelle sont confrontés les animaux qui vivent dans le monde sauvage, bien sûr, on ne va pas sentir la nécessité d'intervenir. Dès qu'on prend conscience de cette dureté, je pense qu'on voit l'intérêt qu'il pourrait avoir à intervenir. La deuxième chose, c'est supprimer le fond de spécisme qui reste en nous. C'est extrêmement difficile, même si dans un lieu comme ici, on va tous se définir comme des non-spécistes. Je crois que nous ne sommes pas des non-spécistes. Je crois que nous n'arrivons pas encore à être non-spécistes.
Mais bon, ce n'est pas une faute irrémédiable. Travaillons sur notre spécisme interne pour justement prendre en compte la souffrance de la gazelle. Et puis, là, c'est le chantier auquel je vous invite de participer, c'est de chercher tout simplement des façons intelligentes de réduire la prédation. Je vous remercie.